Lors d'une épreuve orale, votre apparence revêt une importance considérable. Contrairement à un simple écrit où seule la qualité du contenu importe, dans une présentation orale, vous êtes vu autant que vous êtes entendu. Ainsi, accorder une attention particulière à votre apparence est nécessaire. Mais il est tout aussi crucial de ne pas en faire trop. Un juste milieu est de rigueur. Concernant le choix de votre tenue durant le grand oral, la clé réside dans la simplicité et la sobriété. Optez pour des vêtements de ville classiques et une paire de chaussures propres et lacées. Ne confondez pas le grand oral avec un défilé de mode ou un concours de beauté. Évitez les tenues extravagantes ou inappropriées, qui pourraient détourner l'attention du jury de votre message. Pas de jeans troués, ni de survêtements, ni de suite à capuche. Pas de casquette, ni de mini-short, ni de talons hauts. Pas de ventre à l'air, ni de décolleté plongeant. Pas de nœud papillon, c'est un oral, pas un mariage ou un enterrement de vie de garçon. Pas de t-shirt enfantin, style Bob l'éponge ou Dora l'exploratrice, ni avec des imprimés humoristiques, effrayants ou révolutionnaires. C'est un oral, pas une tribune politique. Pas de maquillage gothique, c'est pas une messe noire, c'est un oral. Pas de rouge à lèvres trop rouge, on vous demande d'avoir du charisme, pas du sex appeal. Pas de tenue hippie colorée patchouli. Privilégiez le contenu au contenant. Ne prenez ni alcool, ni drogue, avant, pendant, ni après votre grand oral. On ne vous demande pas de planer, mais de parler de manière cohérente et audible. N'arrivez pas avec votre téléphone portable à la main. Quand on est grand, on n'a plus besoin d'objets transitionnels. Évitez les tenues trop ostentatoires, gros colliers, grosses bagues, grosses montres. Pas de tatouage trop apparent. Cachez ce tatou que je ne saurais voir. Pas de cheveux trop décolorés. Attendez le soleil de l'été et la majorité. Il est essentiel de choisir des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise et confiant. Si vous n'êtes pas à l'aise dans ce que vous portez, cela se reflétera dans votre langage corporel et la performance globale de votre oral en sera amoindrie. Optez donc pour des vêtements qui correspondent à votre style personnel, tout en respectant les normes de décence et de bon goût. Il faut s'habiller de telle sorte à ce que le jury ne se souvienne plus de la manière dont vous étiez habillé, mais seulement de ce que vous avez dit. En résumé, une tenue simple et sobre est la clé pour une épreuve orale. Choisissez des vêtements qui vous mettent en valeur, tout en vous permettant de vous sentir à l'aise et confiant. Rappelez-vous que votre apparence envoie un message sur l'importance que vous accordez à l'épreuve. Alors prenez le temps de vous préparer soigneusement pour maximiser votre impact. Merci pour votre attention. À bientôt peut-être.